mariage sens unique. Ah, très important. Mariage sens unique. Ou pas, j'aime conduire une route. Et puis là, il apparaît sens unique. Sens unique veut dire qui ça? One way. Ou pas qu'à entrer dans mariage one way. Côté c'est ouk d'amour, nègla pas d'amour. Côté c'est ouk tombe pour femme nan pas tombe pour. Tendez ça, la Bible dit comme ça. La Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. C'est qui ça? Les qui ça? Les combien? Les qui ça? Ça veut dire, l'homme y a de commun, c'est deux. Fallant moi à double sens. Même j'aurais même mademoiselle, fallait mon tout. Donc, pas rentrer dans le mariage. Sous d'amour, moun. Et puis, moun n'a pas d'amour. Pas rentrer dans le mariage avec elle. Ou à passer trois misères. Ou à passer trois moments noirs. Ou à passer trois moments difficiles. Sous remet moun, non. Moun n'a pas remet. Mettez quoi d'ailleurs? L'éternel a forgé un moun qui remet. L'éternel a forgé un moun qui apprécie. L'éternel a forgé un moun qui tombe pour. Mais pas le suivre un moun il passe au bord. C'est pour entrer dans le mariage avec elle. Ou elle va passer trop de misère. Et puis, ou même tout pas entrer dans le mariage, ou pas aimer moun nan tout. Parce que l'on pas aimer moun, ou pas aimer moun nan, tout ça moun nan fait nerve. Tout ça moun nan fait. Est-ce que ça? La Bible dit comme ça, l'amour couvre une multitude de péchés. L'homme moun d'amour, moun nan gèdwa gèd toute qualité de défaut mon parwèl puisque d'amour. Mais kou pa d'amour ou tout défaut. Gade, 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 gade